Salut tous à tous, c'est Tommy, aujourd'hui pour la révélation de l'event Halloween par Blizzard. Le premier teasing, le premier skin présenté, ainsi que la date qui est confirmée à mardi prochain, 20h, comme d'habitude, hein, pour ceux qui me feraient répéter. Donc là, on découvre le skin tout de suite, il s'agit de Rodog. Donc un skin qui est un skin clown, qui fait directement penser au film Heat, puisqu'il y a le petit ballon, voilà, le petit clin d'œil qui fait que... Et on a un skin qui se présente ici, peut-être sous la forme d'un skin épique plus que légendaire, puisqu'on a déjà vu hein, des skins qualitatifs au niveau épique, comme on a pu le voir pour l'event Féerie Hivernale sur Rodog, où il avait une tête de bonhomme de neige. Mais en fait, ici le tatouage, à l'époque sur les skins épiques, il changeait pas. Maintenant il change. Ici on a les épaulettes qui ne changent pas par rapport au skin standard. Donc ça veut dire... On pourrait dire que c'est un skin épique, je pense, même si le casque est juste génial. Hein. De toute façon, on a l'épaulette ici avec le pneu. D'ailleurs, ça ne change pas, je pense. Globalement, on peut déjà confirmer, je pense, que c'est un skin épique. Mais on ne sait jamais, bizarre. Hein. On peut s'attendre à tout. Donc, un skin qualitatif et de niveau épique, ça serait génial. Ça peut déjà mettre la barre très haute pour les skins légendaires qui vont arriver par la suite. En tout cas, je suis hyper hypé. Un tout petit, malheureusement, un tout petit teasing. On peut peut-être penser que ce petit ballon peut être une highlight intro aussi. Hein. On peut penser à plein de choses. Peut-être à une nouvelle emote aussi. Parce que l'intro ici, globalement, ça pourrait être une highlight intro, mais... La chose qui fait comme ça, c'est déjà en highlight et emote, si je me trompe pas. Donc, ça ferait évidemment du réchauffé. Mais il pourrait refaire quelque chose en dérivé avec ce ballon et faire une animation particulière à voir in-game ce qu'il pourrait nous offrir. Donc voilà, Event Halloween qui commencera mardi dès 20h. On aura sûrement d'autres teasings qui vont suivre dans les prochains jours. Sûrement deux demain, c'est ce qu'ils aiment bien faire. Pour un total en tout de 3 teasings, voire 4 s'ils en font un mardi juste avant l'event. Donc voilà, nous en tout cas on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y a encore plein de contenu qui va suivre. Je vous fais un gros bisous. Ciao, à bientôt. Bye.